Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi, voici les blockbusters de l'été. On va parler de la sélection de ce que j'ai regardé en série et en film et en série d'animation. C'est parti, générique, être passionné cette fois. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. On va commencer avec une série d'animation sur Netflix qui est sortie le 18 juin 2022 qui s'appelle Hiroshi Takashige. Le scénario c'est Ryoji Minegawa, les dessins. C'est une série action science-fiction qui est disponible sur Netflix. Réalisateur c'est Hiroshi Kobayashi. Le studio d'animation c'est David Productions et le manga s'appelle Springan, est adapté du manga éponyme écrit par Hiroshi Takashige et dessiné par Ryoji Minegawa, qui est pré-publié dans le magazine Weekly Shonen Sunday et Shonen Sunday Zokan de l'éditeur Shogakukan entre 89 et 96. Donc l'histoire est simple, c'est il y a de nombreuses années, une ancienne civilisation réputée pour ses artefacts et autres technologies avancées reniée sur la Terre. Cependant, la civilisation en question fut rapidement détruite en raison de notamment de la mauvaise utilisation des outils. Peu avant la destruction, les messages furent inscrits en hébreu sur des plaques indestructibles à destination des civilisations futures afin de les empêcher de commettre les mêmes erreurs qu'eux. Quelques temps après la guerre froide, plusieurs organisations telles que les différentes armées du monde ou encore forces spéciales privées se sont mises en à recherche des artefacts dans le but de pouvoir s'en servir face à leur ennemi. Ominae, un agent d'élite membre de l'organisation Arkham, a pour mission de faire en sorte que ces anciennes technologies ne tombent pas entre les mauvaises mains. Donc voilà, c'est pour le synopsis. Du coup, c'est science-fiction, un peu beaucoup science-fiction. C'est le jeune héros, tout simplement, est à la recherche des artefacts dispatchés dans la planète sur Terre, en fait, et il a une espèce de combinaison high-tech qui lui permet de multiplier sa force physique et les aptitudes tout simplement. Donc c'est des OAV qui sont assez longs, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, je crois il y a une dizaine je crois, et à chaque fois les épisodes durent une cinquantaine de minutes voire une quarantaine de minutes, donc c'est très long à regarder, mais dans l'ensemble c'est plutôt un bon manga. Il y a 6 épisodes pour être exact, enfin, j'ai dit 8 mais non c'est 6 de 45 minutes, donc c'est un très bon manga à regarder si vous ne l'avez pas encore découvert sur Netflix, on passe au sur. Donc le deuxième manga qui est sorti récemment sur Netflix, c'est Bastard sur Netflix, une adaptation enfin à la hauteur du mythe pour le manga Dark Fantasy. Alors Netflix a dévoilé très récemment la série animée Bastard Heavy Metal Dark Fantasy, adaptation du célèbre manga de Kazushi Hagiwara, édition Glénat. Un mastodonte du manga des années 90 débarque en série animée sur Netflix sur la plateforme des Watch ce jeudi 30 juin. Les 13 premiers épisodes de l'anime Bastard Heavy Metal Dark Fantasy, adaptation du manga éponyme de Kazushi Hagiwara, 27 tomes disponibles aux éditions Kana. En parution depuis le Japon en 1988, la publication du manga est néanmoins interrompue par la régulière pause, aucun tome n'étant d'ailleurs sorti depuis 2012. Bastard est une série de Dark Fantasy suivant les aventures de la fille du grand mage Taiye Noto Note Yoko, dont les pouvoirs lui permettent de ramener à la vie la magicienne démoniaque Dark Schneider, alliés improbables dans leur guerre contre les maléfiques wizards. Souvent comparé à l'immense Berserk pour sa noirceur et ses thématiques abordées, bien qu'il soit résolument plus shonen que l'œuvre du regretté Kentaro Miura, Bastard avait déjà fait l'objet d'une première adaptation au début des années 90 sous la forme de 6 OAV, épisode à destination exclusive du marché de la vidéo. Plutôt fidèle et bonne facture, cette adaptation n'avait évidemment pas pu adapter l'intégralité du manga à l'époque. C'est donc sous la forme d'une série que nous revient cette fois-ci Bastard, conçu par les studios Liden Film de Tokyo Revenger. L'animé est entre autres réalisé et conçu par le studio. Non.
et réalisé par Takaoru Ozaki, loin d'être novice en matière de Dark Fantasy, puisqu'il est déjà employé sur l'adaptation animée de Goblin Slayer. Voilà donc une nouvelle adaptation fidèle au manga, et globalement peu censurée, offerte par Netflix en raison de sa noisseur extrême et ses mises à mort sanguinolentes. Bastard n'est clairement pas le genre de série adapté à large public. Son visionnage est donc exclusivement réservé à une audience adulte, tant que pour la cruauté et donc ses images, mais également de nombreuses scènes de nudité, ainsi que pour ses thématiques abordées. Mieux vaut donc le cœur bien accroché avant de commencer le visionnage de cette nouvelle série Netflix. Donc, ouais, le manga, il est sorti, l'animé, il est sorti il y a pas longtemps, il y a pas mal d'épisodes, moi j'ai pas fini. De ce que j'ai vu pour l'instant, c'est très très bon, l'animation est bonne, musicalement c'est plutôt bon, doublage sont de ouf, et puis c'est vrai que bon, bah, malheureusement, c'est pas un dessin animé, c'est pas un animé pour les enfants, faut pas regarder ça vers un présent de vos enfants. Ça reste un bon shonen, hein, y a rien à dire, et ça envoie du très très haut. On va passer au prochain film. Donc, le premier film, parce qu'il n'y aura pas de série pour ce nouvel épisode. Les séries, ça sera pour le prochain épisode, parce que je n'ai pas encore terminé les séries que je suis en train de regarder, donc je voulais regarder le final avant de pouvoir commenter. Donc, le dernier film que j'ai regardé, enfin, les derniers films que j'ai regardé, c'est Interceptor de Matthew Reilly. Réalisation, c'est scénario, c'est Stuart Beatty et Matthew Reilly. Musique, c'est Michael Lira. Et acteurs principaux, c'est Elsa Pataky, qui est la femme de Chris Hemsworth, aka Thor, et Luc Brassé. Société de production, c'est Ambiance Entertainment, For You Entertainment. Le film, il dure une durée de 92 minutes. Donc l'histoire est simple, c'est Gigi Collins, c'est un capitaine de l'armée américaine. Elle est toujours aujourd'hui affectée à un poste peu glorieux après avoir révélé une agression sexuelle d'un général. JJ se retrouve alors dans une base antisémite isolée. Elle va cependant devoir gérer une grave situation de crise quand les terroristes menacent les États-Unis avec des armes nucléaires. Donc la production, c'est en 2017, l'écrivain Matthew Reilly commence l'écriture du scénario Interceptor et choisit une intrigue se déroulant principalement dans un seul endroit car il souhaite que le budget ne dépasse pas 15 millions de dollars. Il envoie ensuite une copie au scénariste de Stuart Beatty après avoir lu quelques pages. Ce dernier est emballé et lui demande s'il peut procéder à certaines réécritures, ce que Matthew Reilly accepte. Stuart Beatty présente le script au producteur, précisant que Matthew Reilly souhaite également réaliser le film. Le projet sera finalement développé par Netflix en mars 2021. On apprend que Elsa Pataky elle est choisie pour le rôle principal, ainsi qu'en mai 2021, Luc Brassé pourra se préparer. L'actrice espagnole s'entraîne près de 4 heures par jour avec son mari, Chris Hemsworth, qui participe également à la production, qui fait une petite apparition. Le tournage débute le 29 mars 2021, au lieu de la Nouvelle-Galles du Sud, Australie, pendant que 33 jours, notamment dans la BC Studio de Sydney. Voilà, et le film, il dure 99 minutes, ça, c'est assez rapide, hein. C'est un film court. Ça fait penser un peu à un film genre son Speed ou d'ailleurs, hein. Voilà, c'est pas ouf, c'est pas un truc de malade, mais bon. Ça reste un film d'action classique, voilà, pour passer le time. Si vous avez rien à regarder en ce moment, ça peut être sympa. Voilà, on passe au suivant. Deuxième film, alors c'est le film Princesse sur Disney+, qui est sorti en juillet 2022, Le Vanquier, et par Ben Lustig et Jack Torrance, avec comme actrice principale c'est Joey King, Dominique Cooper et Olga Kurylenko. Titre original c'est The Princess, hein, c'est un film spécialement prévu pour la plateforme de streaming Disney+. Donc lorsque une jolie princesse au caractère bien trempé refuse d'épouser un cruel sociopathe auquel elle est fiancée, son père, fou de rage, la fait enlever et enfermer dans une tour, isolée du château, face à un prétendant vindicatif et méprisé qui n'a cesse de chercher à usurper le trône paternel, elle va devoir trouver des solutions radicales ou non, seulement pour protéger la famille elle-même, mais aussi sauver le royaume. Donc c'est la nouvelle mode, maintenant c'est des princesses rebelles, maintenant Disney a changé sa image de marque par rapport à ça, et du coup c'est un film centré action sur une princesse rebelle qui est coincée dans un château et qui affronte des hordes d'ennemis à elle toute seule avec l'aide de son sensei, on va dire, un sensei qui lui montre comment maîtriser l'art de l'épée chinoise, et du coup bah voilà, c'est un film typiquement Disney, hein, voilà, c'est drôle, c'est rigolo, c'est fun, bon c'est pas un film de ouf, hein, mais ça reste sympa à regarder, plutôt drôle, donc voilà, pourquoi pas. Moi je lui mettrais une note entre 7 et 8 pour dire que voilà, ça se regarde tranquillement. Voilà. On passe au dernier film. Donc le dernier film de cette semaine, donc on a fait un spécial Girl Power cette semaine, hein, vous allez voir, c'est pas mal de films avec une héroïne, c'est la nouvelle mode, hein, sur les plateformes de streaming, il y a énormément de films où les héroïnes sont badass maintenant, ça change un peu, c'est cool. Donc du coup le dernier qu'on a vu c'est Shadow in the Cloud, et la réalisation c'est Rosanne Ling.
Le scénario, c'est Max Landis et aussi Rosanne Ling. La musique, c'est Mawia Brindam Cooper. Et les acteurs principaux sont Chloé Grace Moretz, qui joue Hit Girl dans Kick-Ass, pour ceux qui connaissent, Nick Robinson et Kaleh Moulavey. Et dedans aussi, nous avons un acteur de Hawaii Five-0 qui était joué par... son personnage, c'était Junior dans Hawaii Five-0, la série. Donc, société de production, c'est Fortnite Film et Rea Film. Donc, c'est action horrifique, film durant 83 minutes. Il est disponible sur Amazon Prime Video. Donc, Shadow in the Cloud, l'ombre dans les nuages, est un film d'action horrifique américano-néo. Zélandais, coécrit et réalisé par Rosanne Ling, sorti en 2020, et il est présenté au Festival International du Film de Toronto en 2020, où il obtient le prix du public Midnight Madness. Et alors que la Seconde Guerre mondiale bat son plein, Nouvelle-Zélande, la jeune Maud Garrett, qui est bien sûr Hit Girl dans Kick-Ass, embarque à bord d'un bombardier Boeing B-17, Flying Fortress. Elle est chargée du transport de documents top secrets qu'elle doit emmener à Samoa. Outre la menace des puissances de l'Axe, le danger vient aussi de l'intérieur. À bord de l'appareil, Maud et les soldats vont devoir affronter une mystérieuse créature particulièrement agressive. Donc l'histoire a été écrite en janvier 2019. On annonce que Chloé Grace Moretz rejoint un film réalisé par Rosanne Liang et écrit par Max Landis en avril 2019. Chloé Grace Moretz annonce que le script a subi plusieurs réécritures en raison d'accusations de harcèlement sexuel. Max Landis n'a pas conservé comme scénariste et producteur. Cependant, en raison des règles de la Writers Guild of America, il reste crédité au générique. Et Nick Robinson qui a ensuite rejoint le film. Donc du coup, c'est un film d'action horrifique. Hein. C'est une femme qui veut atteindre une destination qui est au Samoa avec une espèce de sacoche et qui est prêt à tout pour protéger sa sacoche, et c'est vraiment à la fin du film qu'on apprend qu'est-ce qu'il y a dans la sacoche, enfin vers le milieu du film, hein. Donc elle est enfermée la plupart du temps dans un cockpit, enfin plutôt en bas de l'avion avec des mitraillettes. Mais bon, bon, c'est pas un film de ouf, on va pas se mentir, hein. Mais bon, voilà quoi, ça se regarde, ça sur Amazon Prime Video, c'est gratos. On va dire que ça restera pas dans les annales. Si je lui mettais une note, j'aurais mis un 4 ou un 3. Franchement, ça vaut pas le coup. C'est un film, malheureusement, bah, ça se voit qu'il n'y a pas eu beaucoup de budget, parce que toutes les scènes du film se passent dans le, bah, l'endroit où est bloquée l'actrice. Donc on n'a pas trouvé ça génial, de ouf. Mais bon, après, voilà, ça se regarde, ça reste un film sympa. Quand tu te fais chier devant la télé, il n'y a rien en ce moment, t'as pas envie de te prendre la tête, et ben tu regardes ça, et puis ben voilà quoi, et puis ça fait passer le time comme on dit. Mais bon, c'est pas un film qui restera dans les annales. Le film est bon, il y a des scènes complètement improbables, hein. On voit que les gens ils ont craqué leur slibar, maintenant ils savent plus quoi faire. De toute façon, les bons films d'action maintenant, ça se compte sur les doigts de la main. Malheureusement, on en est là, et du coup, bon, bah voilà, c'est pas un film de ouf, mais bon, tu peux quand même aller le voir au cas où ça t'intéresse. Voilà. Donc, bah, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker, partager, et de surtout de t'abonner si c'est pas déjà fait. Mettre un pouce pour m'encourager, parce que c'est vrai que bon, malheureusement, ces derniers temps, j'étais pas mal occupé. J'ai pas eu le temps de faire des vidéos, donc on va essayer d'en faire. Malgré tout, on est toujours là, on est toujours présent. Donc, garde le fan spirit en toi, et à très bientôt. Ciao.